Bonsoir à tous. Moi je vais vous parler de Computer Forensics ce soir. Alors pourquoi je vais parler un peu de tout ça? C'est juste parce que j'ai travaillé sur ce sujet-là au labo. C'est pas le domaine dans lequel je suis spécialisé du tout, mais c'est un domaine qui m'a passionné et où j'ai pu un peu m'amuser et toucher un peu à tout ce qui est Windows internal. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, pourquoi j'ai travaillé là-dessus? C'est parce qu'on a eu l'an dernier un partenariat avec l'OCLCTIC. Donc l'OCLCTIC, c'est l'Office de lutte contre la cybercriminalité française. Et le but du jeu, c'est qu'ils nous ont demandé d'écrire des outils pour de l'analyse de mémoire. De plus, c'est un sujet qui est assez fun et ça touche pas mal au monde du malware. Et c'est un domaine que j'aime beaucoup, donc du coup, ça touche à ma passion. Et du coup, j'ai voulu un peu m'amuser dessus et regarder les possibilités et comment diffit certaines techniques utilisées par certains outils. Cette conférence va pas être super technique, mais plus un état de l'art sur ce qu'est le forensique de nos jours et les outils dont on a besoin aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le forensics? Le forensics, c'est juste le fait de trouver des preuves numériques, que ce soit sur des devices ou n'importe quoi, dans le cadre d'affaires judiciaires. Donc le but du jeu, c'est vraiment analyser, collecter, pondre des rapports pour faire des preuves face à des affaires juridiques de type réquisition chez une personne où ils sont venus chercher, une personne est inculpée dans une affaire, savoir si oui ou non c'est la personne qui est victime d'un attaquant ou si c'est elle-même qui fait des attaques. Donc j'ai cité deux citations de grands... personnes qui ont travaillé sur le forensics à l'époque. Ce que je disais, computer forensics, c'est part de la forensic science. Donc, parce qu'en fait, forensic science, c'est un peu le fait de trouver des preuves sur un crime. Enfin, on ne joue pas à Sherlock Holmes, quoi. Enfin, on va chercher des preuves numériques, que ce soit sur des devices de type PC, téléphone portable, ou encore même des imprimantes lorsqu'elles ont un cache ou des bêtises du genre. On verra des use cases après. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, ça va être utilisé par plus ou moins dans deux grands cas. Par exemple, dans le cas personnel, je sais pas, par exemple, vous vous amusez à trouver une clé USB dans la rue et le mec, soit il l'a perdue et du coup il a supprimé des fichiers dessus. Et vous, le but du jeu, ça va être de regarder la clé et trouver des informations pertinentes sur cette personne. Peut-être vous trouverez des photos de sa copine toute nue, je sais pas. Je l'espère pour vous. Moi, j'espère qu'elle est belle au moins. Sinon, ça serait dommage. Enfin, c'est tout ce genre de bêtises, par exemple. Enfin, voilà, ça peut être du point de vue personnel aussi. Si vous avez votre disque dur qui est cassé, vous pouvez aller voir des professionnels pour qu'ils retrouvent vos données. Par contre, ça vous coûtera très cher. Mais c'est pas sur ce point-là que je m'attarderai. Ça sera plus sur le live forensics. On verra ce que c'est plus tard. Et le deuxième cas, c'est dans tout ce qui est les affaires de cybercriminalité. Donc, vous le savez, de nos jours, il y a beaucoup d'APT, par exemple, et les malwares sont de plus en plus présents et plus ou moins plus évolués. On verra ça sûrement vendredi. Donc c'est vraiment un cas où c'est le plus important. C'est on arrive dans une entreprise, il y a eu un problème et on va chercher d'où est venu le problème et pourquoi, comment, etc. Donc, juste des petits cas d'exemple pour montrer que ça existe dans la vie de tous les jours, un peu tout ça. Donc, je me suis amusé à chercher des articles qui traînaient sur Internet dans des use cases qui sont arrivés dans la vie réelle, quoi. Donc, par exemple, dans une affaire de proxénétisme, les policiers n'arrivaient pas à inculper la personne parce qu'ils n'avaient aucune preuve contre lui. Et il s'est avéré qu'en fait, sur son ordinateur, il avait des feuilles de calcul Excel et ils ont réussi à les retrouver. Et du coup, ils ont trouvé le prix des filles en question, les horaires, etc. Et du coup, la personne a pu être inculpée. Donc c'est un use case assez marrant. Y en a un autre, c'est assez marrant, c'est un technicien qui a été appelé dans une entreprise pour venir réparer l'imprimante. Et en fait, il a trouvé du papier filigramé sur le dessus de l'imprimante et a prévenu les autorités. Les autorités sont arrivées au sein de l'entreprise, ont fait du forensics un peu sur l'imprimante. Elle avait un cache avec un mini disque dur. Et en fait, il s'est avéré qu'en fait, l'entreprise en question fabriquait de la fausse monnaie. Donc voilà, c'est comment se foutre en l'air. Il y a encore d'autres utilisations où, par exemple, c'est une femme qui croyait que son mari l'a trompée et elle a trouvé une vieille disquette où en fait elle était décomposée en morceaux. Elle a amené un institut pour recomposer tout le matériel. Ils ont réussi à trouver des lettres d'amour qu'il envoyait à sa maîtresse. Donc voilà, c'est marrant. Bon, enfin, on pourrait continuer aussi. Aussi des gens qui tape through lies. En fait, par là, j'entends tout ce qui est sauvegarde de données, genre le disque to tape, c'est tout ce qui est la sauvegarde sur bande magnétique. Donc en fait, ça a été dans une affaire où un mec, il vendait, enfin, il détournait de l'argent au sein de l'entreprise et il s'est avéré qu'ils ont retrouvé des feuilles Excel qu'il avait supprimées, sauf que les sauvegardes au sein de l'entreprise l'avaient faites sur des disques magnétiques et sur des bandes magnétiques, pardon. Et ils ont retrouvé comme ça tout l'argent qu'il a pu détourner. C'est assez marrant. Aussi, il y a eu des problèmes narcotiques. Alors j'entends par là, en fait, c'est des affaires de stupéfiants qui ont été découverts comme ça en Angleterre en faisant du forensic sur des ordinateurs. Ils ont pu récupérer des communications entre certains dealers, on dirait, et ils ont pu réussir à les attraper. Ça, c'est marrant. Il y a aussi de la fraude, tout ce qui est du vol de matériel. Alors malheureusement, il y a aussi de la pornographie, donc plus ce qui touche à les enfants, donc tout ce qui est pédopornographie, c'est au cœur de tous les jours un peu, je veux dire, il y a des réseaux qui tournent, et le but du jeu c'est les traquer, et souvent quand il y a des perquisitions chez des gens, c'est pour ce genre d'affaires, et du coup le forensic peut aider à retrouver des traces, à savoir sur quel réseau ils traînaient, et du coup remonter à la source. Ouais, voilà, des vols, etc. Bon, bref. Alors, le forensic, ça va se passer en 4 grosses étapes. Le but du jeu, d'abord, ça va être l'acquisition. Alors, par acquisition, j'entends le fait de savoir ou non si une personne, une machine, pardon, ou un device, si vous préférez, a été compromis ou non. Et savoir s'il faut boucher la faille qui a été exploitée ou s'il faut... vite couper le service et l'analyser plus tard. Alors il y a un fun fact à ce sujet, donc je ne sais pas si vous lisez les blogs des AV. En fait il y a AVG récemment qui reversait un keylogger de Diablo 3, donc je ne sais pas s'il y a des joueurs de Diablo 3, comme ça leur fera plaisir. Et, en fait pendant que la personne analysait le keylogger, il s'est avéré qu'en fait il y a une fenêtre qui a pop. Et en fait, il était en communication directe avec la personne qui a écrit le keylogger. Et du coup, en fait, ça faisait un peu service après-vente, quoi. Et genre, le mec lui demandait « Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer avec mon binaire ?» Et « Pourquoi vous êtes en train de le reverse ?» Enfin, voilà. Enfin, c'est un case à la con, mais bon, voilà, c'est marrant. Ensuite, on va avoir tout ce qui est identification. Donc pour ça, on va se dire dans quel cas ça s'est passé, pourquoi, quel type de données j'ai récupéré, comment je vais pouvoir l'analyser, avec quels outils je vais les analyser, etc. Ensuite, on a l'évaluation, c'est savoir si les données que j'ai récupérées sont vraiment efficaces face à la loi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, lors d'une perquisition, si une personne va être inculpée, au moment du jugement, vous allez sortir des preuves face aux avocats du client. Et, si ces preuves ne sont pas fondées, ou si même vous montrez des choses qui ne sont pas vraies, ça va se retourner contre vous. Donc tout ce que vous devez faire, ça doit être logué, journalisé, et bien montrer que tout est vrai. Et ensuite, une présentation, c'est la conclusion de ces 3 points où on va conclure avec une sorte de rapport pour faire un état des lieux de tout ce qui s'est passé. Donc, de nos jours, on a 2 types de forensics, enfin, mis à part la reconstruction de matériel, disons. On a le dead forensics où là, typiquement, c'est... j'ai pas trouvé l'image de la femme ménagère qui coupe le power d'un PC, mais bon, là, c'est un enfant qui tire dessus et qui l'éteint. Et sinon, on a le live forensic où on va essayer de travailler au plus à ma en direct live avec le système ou ultérieurement en récupérant sa mémoire par exemple. Donc je vais m'attarder vite fait sur le Dead Forensics. C'est une méthode qui était là depuis toujours, qui a aidé les investigateurs de Forensics dans des affaires où le but du jeu, ils récupéraient les disques durs et ils les analysaient ensuite. Alors un avantage, c'est que du coup, si on éteint l'ordinateur, tous les processus malicieux du coup seront terminés. Alors de ce fait, ça pourra empêcher la suppression d'évidence. Mais on va voir qu'en fait, c'est pas vrai parce que s'il faut le processus malicieux, une fois éteint, on le retrouvera plus sur le disque dur et là, du coup, on pourra pas se dire que la machine a été compromise. Donc c'est un gros problème. Ensuite, je parle de snapshot, c'est parce que maintenant, on nous buzzword la gueule à coup de cloud computing. Bon, ça me fait doucement rire, mais c'est vrai que de plus en plus, on a des architectures virtualisées. Et il faut savoir que bah, c'est très pratique, si une machine virtuelle s'est faite attaquer, et, on va pouvoir directement créer un snapshot, et là on aura automatiquement le disque dur virtuel, la mémoire virtuelle, et ça sera beaucoup plus simple pour l'analyser plus tard. Alors là j'ai cité un tools comme EnCase, vous avez Sleuth Kit aussi, et ça c'est des tools vraiment pour travailler sur tout ce qui est l'analyse de disques, disques amovibles, ce que vous voulez, CD-ROM, etc. Donc le processus est très simple, hein. Je veux dire c'est pas compliqué, les investigueurs arrivent sur l'affaire du crime, ils vont débrancher l'ordinateur, récupérer les disques durs et les recopier à partir d'un duplicateur de disques comme là sur l'image, et hop, ils vont repartir avec et l'analyser chez eux dans leur labo. Ça fait aussi de l'USB, du SATA, de l'IDE, enfin tout ce que vous voulez, hein. Alors, les avantages et les inconvénients du Dead Forensics par rapport au Live Forensics, c'est que du coup, bah, c'est ce que je disais, si on éteint la machine, du coup, logiquement, il n'y aura pas de modification de données. Lorsqu'on récupérera le disque dur, rien n'aura été modifié. Bon, on verra, c'est peut-être pas sûr. Et les gros problèmes, c'est qu'on a des problèmes de crypto sur les disques, on verra ça plus tard, et aussi sur tout ce qui est les données volatiles qui travaillent sur le net, sur le réseau. Donc par exemple si vous étiez connecté à un réseau de un VPN ou un réseau, je sais pas, de pédopornographie, bah on le verra pas ça sur le disque dur, il y aura aucune trace, tout du moins. Enfin si la personne sait utiliser certains tools comme il faut. Et les autres points, c'est que de plus, de jour en jour, on a beaucoup plus de RAM. Je veux dire, il y a sûrement beaucoup de gamers dans la salle, vous avez des PC beaucoup trop puissants, je trouve, mais vous avez des 8 Go, enfin des trucs aberrants de RAM, et on peut retrouver n'importe quelle information qu'on veut dedans, et c'est ce qu'on va voir après. Et le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des preuves qui peuvent être supprimées lorsqu'on va éteindre l'ordinateur. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est un méta-interpréteur, pardon. Donc c'est un module de Metasploit qui vous permet d'avoir un shell à distance, et c'est un truc qui s'injecte dans les processus, et ça il n'y a aucune trace sur votre disque dur que le méta-interpréteur était présent sur la machine. Donc du coup si on éteint la machine, bah, on ne saura pas que la personne en face a été victime ou si c'était elle qui était attaquante. Enfin ça pose vraiment des problèmes. Et donc c'est pour ça que maintenant de nos jours nous avons le Live Forensics. Alors le Live Forensics, c'est en fait l'analyse de tout en mémoire. Le but du jeu, ça va être vraiment de récupérer le maximum d'informations que vous pouvez avoir au sein de votre mémoire. C'est vachement utilisé pour tout ce qui est l'analyse de malware. Je veux dire, tout votre kernel, enfin on le verra plus tard, mais s'il y a des modifications au sein de votre kernel d'espace processus userland, on le verra et ça peut se voir. Donc c'est vachement de plus en plus utilisé par la justice dans des cas de cybercriminalité ou autres. Et ça a aussi un intérêt pour la réponse aux incidents, de regarder ce qui s'est passé. Donc, mais malheureusement, il n'y a pas que la mémoire, il y a aussi votre swap. Donc vous êtes sous Linux, vous avez une partition swap. Mais sous le monde de Windows, parce que j'aime bien, vous avez PageFile.6. Donc PageFile.6, c'est un fichier qui se trouve à la racine de votre disque dur, donc dans %system root, si vous voulez. Et en fait, c'est votre fichier de swap. Et au sein de ce fichier de swap, bah, y a toutes les pages qui ont été swappées. Donc du coup, on peut récupérer aussi de l'information. Donc en plus de votre RAM, on va aller chercher dans ce fichier PageFile. Et ça a été mes premiers travaux de recherche de travailler sur ce fichier. Le problème, c'est que j'essayais de l'ouvrir, j'étais là. Create file, /pagefile.6, invalid handle value, et le get last error me disait access denied. Bon, bah, du coup, j'étais dans la merde, j'étais là, bon, bah, je peux pas l'ouvrir, pourquoi genre, c'est un fichier caché, je comprends pas, non, pas du tout, non. Et en fait, non, c'est parce qu'en fait, le kernel me lock ça, donc avec le processus système que vous voyez, qui a un PID de 4, qui en fait garde un lock sur ce fichier. Donc en fait, il y a une technique très simple, c'est qu'on peut récupérer les numéros des clusters à partir d'un handles Windows. Donc on va utiliser une IOCTL. Donc une IOCTL, c'est les input-output control. Donc c'est le but, c'est de pouvoir communiquer avec un device object qui est en kernel land depuis le user land. Donc à partir de l'IOCTL, FCTL get retrieval pointer, on lui donne le handle. Donc typiquement, je vais aller récupérer le numéro du handle de pagefile.6. Et à partir de ça, je vais pouvoir récupérer les LCN, donc les local cluster number. Donc en fait, c'est un offset, c'est un numéro de cluster, donc c'est un offset sur depuis le début du disque à combien se situe le premier cluster de ce fichier. Donc genre si c'est 63, bah, je sais que c'est au cluster 63 que le fichier commence. Et aussi, ça me permet de récupérer un VCN, donc Virtual Cluster Number, qui est en fait une liste chaînée de clusters contigus par rapport à ce cluster qu'on m'a donné. Et donc le but du jeu, c'est si j'ai les numéros des clusters, bah moi j'ouvre un handle sur mon C2 point, c'est-à-dire sur mon disque en RAW, et du coup je vais parser le file system NTFS. Alors un conseil, mettez jamais la main dedans. J'ai passé des jours à comprendre comment ça marchait vraiment, et j'y suis presque encore. Enfin, j'ai encore quelques bugs dans un vrai parseur NTFS et je pète un plomb. Donc n'y touchez pas. Mais vous pouvez faire comme ça pour après récupérer du coup l'intégralité de ce fichier ou au moins une partie. Fun fact aussi, c'est que bah, vous connaissez tous le fichier SAM. Enfin, j'espère. C'est sous Windows, c'est là où vous avez vos passwords. C'est pareil, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un handle dessus. Bah, c'est pareil, on peut utiliser la même technique à partir d'une IOCTL, récupérer les clusters et aller lire en rose fichier. Voilà. Alors, les avantages du live forensics. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de gigas de RAM maintenant, et on a tout qui est stocké là-dedans. Et donc, du coup, on a un scope d'information énorme. On peut récupérer tout ce qu'on veut sur ce que faisait la personne à un moment donné, lorsqu'on va faire la perquisition, par exemple. Parce que j'entends par volatile information, c'est tout ce qui est par exemple des clés, des passwords, tout ça va résider en mémoire et bah, ça va nous être utile pour plus tard. Et ça combat certaines dead forensics, enfin des contre-mesures de dead forensics de type, par exemple, si un processus malicieux n'était pas présent sur mon disque dur, bah, je vais pouvoir le retrouver en mémoire et là je vais pouvoir inculper la personne en disant « Non mais c'est vous le fautif dans cette histoire ». Mais, il y a toujours un mais. Le problème c'est que les ordinateurs ils sont tous uniques, enfin je veux dire quand on récupérait un disque dur à la base, un disque dur bah, soit c'est du format NTFS, soit c'est du format X2, X3, je sais plus comment ça s'appelle celui de macOS, enfin bon. Et le problème c'est que là si on doit développer des outils de collecte d'informations, de mémoire vive, le problème c'est que soit on est sur un environnement Windows, alors si c'est un environnement XP, Vista, 7, SP1, entreprise, professionnelle, si on est sur un Linux, si on est sur un Mac, si on est sur FreeBSD par exemple, enfin, là la liste est longue et du coup il va falloir qu'on fasse un truc générique, donc ça demande des outils bien plus complexes à mon avis. Le problème aussi c'est que toute action que vous allez faire va affecter la mémoire. J'entends par là si par exemple... bah, l'investigateur arrive sur la scène du crime, insère un CD-ROM avec son logiciel de dump mémoire, bah, en mémoire résidera par exemple l'histoire qu'il y a eu un nouveau CD-ROM qui s'est inséré, qu'il y a eu le nouveau lancement d'un programme. C'est pour ça que tout à l'heure dans les 4 étapes du forensics, j'ai bien dit qu'il fallait avoir des informations pertinentes. Le but du jeu, ça va être de loguer le maximum tout ce que vous avez fait sur la machine. Vous n'allez pas arriver le jour du jugement en disant « Regardez, je vous ai pondu tel rapport » et en n'ayant aucune preuve de « Oui, mais attendez, c'est quoi ce processus? Pourquoi il tourne ?» Alors qu'en fait, c'est votre dumper mémoire et du coup, les avocats en face, ils vont vous sortir une loi à la con et vous allez vous faire enfiler et ça serait dommage. Ce que j'entends par ça peut pas être reproduit, c'est que du coup on récupère que la mémoire, mais on peut pas avoir vraiment l'état complet. Enfin, on peut pas relancer le système à partir de cet état de la mémoire. Mais on verra qu'il y a un certain endroit où on peut le récupérer. Et après, on n'est pas sûr de l'intégrité des données qu'on a récupérées. Donc de ce fait, on n'est pas sûr que si on a dumpé la mémoire, bah, on va pas dire, hey, vas-y, donne-moi la mémoire. Ah bah tiens, le HMD5 c'est ça, et vous le calculez dans votre coin, et c'est le même. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est ce que vous récupérez, vous n'êtes même pas sûr de ce que vous récupérez, on va avoir des techniques pour pouvoir un peu diffuser tout ça. Alors, tout à l'heure, je parlais de cryptographie. En fait, je parlais surtout de tout ce qui est chiffrement à la volée de disques, enfin, ou de volumes, que ce soit des clés USB ou des disques durs. Le problème du dead forensic, c'est si vous arrivez sur le lieu du crime, vous éteignez le PC, vous récupérez le disque dur, vous le dupliquez, et là, bah, ce qui arrive, c'est qu'en fait, le disque était chiffré. Donc du coup, vous arrivez à votre laboratoire pour l'analyser, et là, non, on me demande une clé, soit si vous essayez de bouter dessus, ou soit si vous essayez d'ouvrir votre outil Firewire pour l'analyser, et là, il voit rien du tout. Donc c'est un gros problème. Et donc voilà. Alors j'ai parlé de TrueCrypt, enfin BitLocker, et voilà, c'est des problèmes de crypto. Ok, merci. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la mémoire? Alors tous les outputs que j'ai mis, c'est WinDBG. Alors ça doit être ma deuxième ou troisième femme. Ouais, y a, oui, bon, bref. C'est un outil super qui est un débugger donc kernel Windows et qui va vous permettre de lister tous les symboles exportés par le kernel. Donc là, typiquement, je vous montre les E process. Les E process, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une liste chaînée sous Windows de vos processus qui tournent. Donc typiquement en mémoire ils vont résider, j'aurai ma liste chaînée qui traînera en mémoire et si j'arrive à remettre la main dessus, bah, je vais pouvoir reconstruire la liste de tous les processus. Donc typiquement bah, je vais pouvoir voir à quelle date ça a été créé, son PID, quel nom il avait, l'exécutable qui a été exécuté, la liste des threads, enfin beaucoup de choses. Et le but du jeu ça va être de comment on va faire pour trouver ça en mémoire. On va essayer de mapper à chaque fois la structure interne de E-Process à certains endroits de la mémoire, voir si c'est cohérent, genre la liste chaînée, genre si certains champs de cette structure pointent dans le kernel parce qu'il y en a certaines qui pointent vers là-bas. Et du coup, à partir de ça, on pourra se dire « Ah, c'est bon, je pointe bien dessus » et du coup, ça pourra nous dumper correctement la mémoire. Ensuite, on pourrait trouver des informations, donc tout ce qui est relatif au réseau. Par exemple, là, ces structures dans TCPIP.6, donc c'est un driver Windows pour gérer un peu tout ce qu'est le réseau. Vous avez des structures de type TCB où vous pouvez voir, par exemple, le port local, le remote port, enfin le port distant qui est utilisé par une connexion, qui est le processus qui utilise cette connexion, à quelle adresse il s'est connecté. Ça peut être assez intéressant de voir si, bah, tout à l'heure je parlais de VPN, voir si la personne était connectée à un certain endroit et qu'elle passait par là pour faire des activités malveillantes. Après, je parle de firewall settings. Alors, bah, il peut être intéressant de récupérer aussi la configuration du firewall au moment de la perquisition. Typiquement, si la personne, enfin son malware ou quoi, a entré une nouvelle entrée dans le firewall pour ne laisser passer qu'un certain trafic, bah, du coup, ça nous guidera directement, par exemple, au command and control du malware ou des bêtises de ce genre. Enfin, ça, c'est pas trop vu, mais bon, pourquoi pas. De plus, on peut retrouver tous les handles. Alors par handle, j'entends file descriptor pour les Unixiens qui sont ici, sur de tous les fichiers qui sont ouverts et genre tout ce qui est clé de registre aussi. Alors sous Windows, on appelle ça les hives, donc c'est les ruches. Enfin, c'est en fait, en gros, c'est tout ce qui est fichier de sauvegarde des clés de registre. Donc avec WinDBG on peut aller les dumper par exemple avec sharp handle, enfin pardon sharp, point d'exclamation handle et après dumper les structures. Là-bas on voit tout là-bas, au fond de l'image qu'on a par exemple la hive system, c'est celle qui contient tous vos clés de registre par exemple, on a aussi la base de SAM, enfin on a beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Bah, ce qui peut être fun, c'est de trouver aussi des passwords et des clés de crypto. Donc tout à l'heure, je parlais de disque qui était crypté. Bah, à un moment, pour le déchiffrer, le disque, vous allez taper votre password. Et ce password, bah, ou cette clé, elle va résider quelque part en mémoire. Est-ce qu'elle a été réécrasée? Est-ce qu'elle est toujours présente? Bah, peut-être vous pourrez la trouver. De plus en plus, de nos jours, on utilise des password managers, c'est-à-dire un outil qui va garder en stock tous les passwords de tous vos sites et vous avez juste une clé pour l'ouvrir, bah, on pourrait retrouver la clé qui a chiffré le password pour ouvrir votre password manager et du coup retrouver tous vos passwords, enfin plein de bêtises comme ça. Là je cite un tool, ça s'appelle AES Keyfind, c'est fait par un chercheur dans crypto et ça vous trouve toutes les clés AES dans n'importe quoi, que ce soit dans des dumps mémoire, un fichier, un exécutable, ce que vous voulez, c'est assez puissant. Sinon on a tout ce qui est le cache internet par exemple, on pourrait tout retrouver sur quelle page vous vous situez, qu'est-ce que vous étiez en train de visiter, plein de choses sur tout ce qui touche à internet. Et ma partie préférée, tout ce qui va être code malicieux, donc typiquement on va pouvoir retrouver toutes les structures internes du kernel. Par exemple sous Windows on appelle la SSDT, c'est la Service Descriptor Table, donc en fait en gros c'est lorsque vous faites un appel système, donc typiquement un sysenter ou un InXORX2E sous Windows, ça va taper dans cette table pour savoir quelle méthode vous allez appeler. Et genre par exemple si vous voulez créer un fichier, bah, c'est comme sous Unix, enfin Linux, et ça va demander au kernel de vous l'ouvrir pour vous et vous il va vous renvoyer quelque chose. La Shadow SSDT, c'est pour tout ce qui touche au GUI, donc tout ce qui est l'interface graphique. Aussi on pourrait dumper l'IDT. On verra plus tard que l'IDT c'est un point sensible pour une attaque contre le Live Forensics. POF Call Driver, c'est un pointeur qui est résolu à l'exécution du kernel pour gérer tout ce qui est les requêtes IRP. C'est pour communiquer avec les drivers en couche de Windows, etc. etc. Alors, le processus est très simple. Là, on a juste à récupérer la mémoire physique, donc on va voir comment on va pouvoir faire tout ça. Et récupérer tout ce qui est des extra data, c'est ce que j'entends, c'est par exemple le swap, c'est intéressant de le récupérer ou non. Peut-être le fichier d'hibernation, si la dernière hibernation, il y avait des choses intéressantes à récupérer. Et ensuite, on va analyser ça dans notre laboratoire et on va essayer de recoller ça avec du post-mortem, alors j'entends là par le dead, et en gros, on va recouper les informations de la mémoire avec le disque dur et on aura encore plus d'informations. Donc, la collecte, comment elle peut se faire? Alors, sous Windows, vous avez un super truc qui s'appelle anti/device/physical memory. Donc, c'est un device object qui est en kernel-land et qui est exporté, que vous pouvez ouvrir depuis l'userland qu'avant SP2 et 2003. Maintenant, vous avez besoin d'un driver, c'est ça le problème. Donc, du coup, si vous voulez faire du live forensic, sérieusement, faut que vous soyez admin de la machine, hein, sinon vous pourrez rien faire. Sans driver kernel ou quoi, vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas détecter certains des enjeux de ce que je vais présenter. Enfin, bon, ouais. Donc ce device object, ce qui va vous permettre, c'est d'accéder directement en lecture-écriture sur la mémoire physique de votre ordinateur. Donc si j'ai 4 gigas, je vais me balader de 0 à 4 gigas et je vais pouvoir tout lire. Alors, le truc fun, c'est qu'avant SP2 et 2003, il n'y avait pas besoin de driver, donc depuis l'userland, je pouvais écrire ce que je veux en mémoire, c'est-à-dire modifier mon kernel alors que je suis en userland, tout ça, donc c'est quand même assez l'échec. Mais bon, c'est fixé maintenant, vous inquiétez pas. Fun fact aussi, c'est que par exemple, toute la configuration de votre BIOS se trouve sur les premiers kilooctets de ce device. Donc par exemple, typiquement, quand vous tapez votre password dans le BIOS, il va être stocké là-dedans. Et j'espère qu'il est clean, sinon on le retrouvera. Je parle de split TLB tout à l'heure, c'est une méthode qui pourra faire que, en lisant dans ce device, on lira n'importe quoi, enfin on contrôlera tout ce qui va se passer. Après on a une autre API, kernel, qui s'appelle mmap.io space. Le but du jeu, c'est de mapper une page physique sur un espace. En gros, je vais mapper. C'est comme mmap quoi en fait. Hein. En gros, je vais mapper un range physique dans une adresse. Il va me renvoyer une adresse dessus pour que je puisse lire. Le but du jeu, ça c'est vachement utilisé pour tout ce qui est les mini port drivers graphiques ou quoi. Donc ça sert à ça. Donc comme c'est une API kernel et que c'est une fonction, on peut mettre en place un hook et j'expliquerai ce que c'est après. Le PFN mapping, ça touche à tout ce qui est PageFile. En gros, dans votre PTE, donc c'est votre Page Table Entry, donc j'en parlerai après. C'est un numéro unique qui dit oui, cette page a été swappée. Et à l'aide de ce numéro unique, vous pouvez récupérer un offset. Et cet offset, il vous dit ah mais je suis à tel offset dans le fichier PageFile.6. Donc c'est intéressant. Comme ça, on peut recouper toute la mémoire à partir de PageFile et de la mémoire qu'on a dumpée, si on l'a dumpée correctement. Ensuite, on a d'autres trucs, donc le crash dump. Je pense que vous avez tous connu ça. Vos drivers graphiques font souvent de la merde. Et ils vous créent un BSOD. Lorsque vous avez un BSOD, logiquement, si vous avez activé l'option, ça va dumper dans un fichier des infos. Et ça va les dumper dans pagefile.6, c'est juste ça le problème, enfin ça va les raser et tout, donc du coup vous allez perdre des informations, donc c'est pas une très bonne méthode. Alors je dis qu'il y a des méthodes d'acquisition par souris, c'est parce qu'en fait il y a une clé de registre dans Windows qui est assez drôle, c'est que vous pouvez activer le crash dump à partir d'une combinaison de touches ou de souris, et du coup vous pouvez créer un crash dump comme ça, c'est marrant. Après sinon vous pouvez générer ça à partir d'un driver, où il y a même un service exprès pour gérer ça. Un truc intéressant à noter, c'est que dans le crash dump, vous allez avoir beaucoup plus d'informations que si vous récupérez que la mémoire. Vous allez pouvoir récupérer l'état du processeur, savoir où est-ce que j'ai été exécuté avant, pourquoi ça a crashé, si c'est vous qui l'avez demandé ou si c'est vraiment un bug. Et voilà. Le seul souci, c'est que si vous avez trop de RAM, ça passera pas, parce qu'il faut que ça rentre dans pagefile.6, et si pagefile.6 n'est pas assez gros, le crash dump il fera que la taille de ce fichier, donc c'est l'échec. Sinon, vous avez des techniques qu'on appelle le DMA. Donc typiquement, c'est passé par des ports de type PCI Express ou FireWire, où en fait vous allez avoir directement accès au bus mémoire pour pouvoir aller lire sur un autre device. Typiquement on a connu des attaques sur les FireWire pour déloquer les PC où en fait on branchait quelque chose sur le FireWire et on arrivait à écrire en mémoire, par exemple on remplaçait un saut conditionnel qui disait si oui on a rentré le bon password ou non, et on pouvait changer un saut conditionnel, et du coup hop, on remet la machine en état, on appuie sur entrée, du coup il n'y a plus de password, on peut accéder à la machine comme ça. Alors l'hibernation, c'est un truc que j'ai étudié récemment. En fait, je m'étais pas encore posé la question de comment ça marchait et tout. Donc c'est apparu dans Windows 2000, mais ça existe aussi dans tous les OS. Hein. En fait, tout à l'heure vous avez une présentation sur la CPI. Alors je sais plus quelle c'est quoi dans la CPI, l'hibernation. Mais bon bref, c'est activable et vous pouvez le faire. Là c'est pareil, c'est un fichier qui va être stocké dans %systemroot et qui s'appelle Hyperfile.6. Ce qui est intéressant à noter, c'est que grâce à l'hibernation, ça va garder tout l'état de votre machine. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir un tools, de lancer un exécutable. Vous n'avez pas besoin d'être admin, ce qui est quand même un gros truc. Et du coup, bah, même si vous n'avez pas besoin de driver, il n'a pas besoin d'être signé. Donc c'est encore mieux. Là, c'est vraiment freeporn. Le seul désavantage, c'est, bah, imaginons, mon fichier en question appartient à des clusters où des fichiers ont été supprimés à la base et je réécris dessus, bah, du coup je vais perdre des informations comme quoi le fait un fichier a été supprimé et du coup bah, j'ai réécrit dessus et ça sera un gros problème. Donc ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on pourrait écrire un bootkit, donc peut-être vendredi, qui montre qu'on peut modifier carrément ce fichier d'hibernation. Et donc prendre la main au moment du reboot du PC, aller écrire dans ce fichier, et du coup on va pouvoir changer l'état de tout le kernel, comment il était, et du coup bah, y passer certaines protections et mettre en place quelque chose de malveillant sans que le kernel s'en rende compte. C'est assez marrant. Juste comme ça, sous Linux vous avez des devices qui sont, enfin, des fichiers qui sont exportés, c'est devmem, devkmem et /proc/core. Bon, quand /proc est monté, hein, j'espère que vous le montez pas. Sinon, alors juste pour de l'analyse comme ça, il y a des tools payants qui s'appellent X-Ways, FTK. Ensuite, vous avez SIFT. Alors c'est comme la bêtise, comment ça s'appelle, ouais, voilà, BadTrack là, le truc de Kiddies, qui est en fait une distribution où on vous donne des outils. Donc celle-là, c'est un peu pareil, c'est une distribution Linux où on va vous fournir plein d'outils de forensics. Donc ça peut être intéressant parce que au moins de lister, voir ce qu'il y a dessus. Après, vous les installerez sur votre propre système. Ensuite, je parle de carving. Le carving, c'est une méthode vachement utilisée dans le forensics. C'est pour récupérer des données quand on n'a pas trop de méta-informations. Donc, par exemple, on va reconstruire des fichiers sans avoir, par exemple, des headers. Donc, c'est ça qu'on appelle le carving. Et sinon, dans le monde de l'open source, vu qu'on aime tous ça, on a un super outil qui s'appelle Volatility, et donc écrit en Python. Et lui, il va vous permettre de parser n'importe quel dump ou crash dump, ou même un fichier d'hibernation. Et on a même maintenant là je marque Linux et Mac branches, mais en fait je crois que la branche Mac a été émergée vers la master il n'y a même pas une semaine, donc maintenant ça supporte complètement les dumps macOS. Et du coup vous allez pouvoir récupérer tout ce qui est une liste de processus, les DLL, des fichiers qui ont été ouverts, les clés de registre, enfin tout ce qu'il y a en mémoire que je vous ai expliqué avant, tout ça on va pouvoir le récupérer. Et c'est assez puissant quand même, et c'est écrit en Python, c'est libre, tant mieux. Alors je vais quand même passer aux techniques. Ce qui m'amuse plus, c'est d'attaquer que de défendre, donc moi je suis ni un gentil ni un méchant, mais je me place entre les deux pour créer les meilleurs outils. Donc du coup j'ai dû étudier certaines techniques pour contrer tout ce qui est live forensics. Donc je vais parler de split TLB. Donc le TLB c'est quoi? C'est la Translation Lookaside Buffer. J'explique juste ça après. Juste pour dire, c'est intégré dans Pax. Donc Pax, c'est un patch non officiel ou officiel de Linux qui applique des mises à jour de sécurité où on empêche un peu l'utilisateur de faire tout et n'importe quoi. Et c'est utilisé dans l'unpacking, donc c'est cool. Je suis en train d'écrire un petit projet d'unpacker à coup de split TLB, donc du coup ça me plaît, c'est fun. Alors, c'est quoi? En fait, de nos jours, les OS utilisent le mode de pagination, je pense que vous savez tout ce que c'est. Le but du jeu, c'est que vous tenez à jour des page table entry, et à chaque fois à plusieurs index. Et à chaque fois que je vais vouloir résoudre une adresse physique, je vais partir de son adresse virtuelle et je vais vouloir résoudre ça sur un range d'une adresse physique. Et si votre processeur, bah, il doit résoudre ça à chaque fois, ça prend un temps fou. parce qu'à chaque fois je dois parcourir une liste de tableaux et si pour chaque accès mémoire je dois faire ça, bah, ça va prendre un temps fou à l'exécution. Donc c'est pour ça qu'on a créé le TLB, c'est un cache en fait où on va pouvoir stocker ça. Donc en fait le but du jeu c'est quand je vais demander un accès mémoire, on va regarder si est-ce qu'il est dans le cache du TLB. Bah, si oui on l'a déjà fait, bah, du coup bah, c'est bon, je sais à quel range physique je dois aller taper. Sinon on appelle ça un TLB miss et du coup il y a une page fault. Donc une page fault ça va aller taper dans votre IDT et du coup appeler une routine qui va se charger du coup de vérifier si vous avez... si l'adresse virtuelle que vous demandez est valide et vous allez mettre à jour votre TLB cache et après donner la bonne adresse, enfin redonner les données que vous vouliez accéder et donner redonner le flux d'exécution normal. Donc le but du jeu dans le speed TLB, ça va être d'invalider les pages de votre rootkit par exemple. Donc typiquement, bah, comme ça, dès qu'il y aura un accès mémoire à mon rootkit ou autre, bah, je vais pouvoir prendre la main grâce au page fault handler et renvoyer des fausses données ou renvoyer n'importe quoi. Du coup, le mec, quand il va lire certains endroits de la mémoire, bah, il me verra pas, il aura une suite de 0 et moi, je l'aurais mis bien profond. Donc, du coup, bah, voilà, le but du jeu, c'est de se cacher. C'est une très bonne technique. Le problème, c'est que vous allez me dire, ouais, t'es gentil, mais du coup, le page fault handler, t'as mis un hook dans l'IDT, mais en fait... Alors il y a une deuxième technique, c'est de remettre un split TLB du coup sur l'IDT. C'est-à-dire que quand le mec va vouloir accéder à l'IDT, bah, si l'adresse n'a pas été résolue dans le TLB cache, bah, moi je vais pouvoir lui renvoyer des fausses informations et lui faire croire que l'IDT n'a pas été modifiée. Donc voilà, c'est un peu le jeu de la souris, c'est assez marrant. Mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué de détecter ce genre de truc. Sinon, j'ai parlé pas mal de hook. Le but d'un hook, en fait, c'est de... rajouter une portion de code souvent ou de changer le flow d'exécution d'une fonction, c'est-à-dire prendre la main dessus et du coup empêcher le bon fonctionnement d'une fonction. Donc typiquement, j'ai parlé de anti-slash device, anti-slash physical memory tout à l'heure. J'ai dit qu'il fallait créer un handle dessus, c'est-à-dire l'ouvrir le fichier. Bah, par exemple, je pourrais filtrer les appels de tout ce qui est ouverture de fichier sur ce nom de fichier et l'empêcher de l'ouvrir. Donc du coup, il ne pourrait plus lire en mémoire ce qui se passe. C'est typiquement ça. Donc du coup, je pourrais intercepter voilà, tout ce qui est function calls, des messages, des events. Enfin, on en reparlera plus vendredi, je pense. Le but, donc on pourrait bloquer l'accès, ce que je dis à Device Physical Memory. Alors après les DKOM, en fait c'est tout ce qui est les rootkits qu'ils ont, enfin ou les rootkits ou autres, ce qu'ils ont la manie de faire, c'est de changer les structures internes du kernel et typiquement de supprimer par exemple des objets qui se trouvent dans les listes chaînées. Tout à l'heure j'ai parlé de listes chaînées de processus. Le but, ça va être de supprimer une entrée dans cette liste chaînée et du coup, bah, quand on va essayer de trouver les trucs, lui, il va se trouver à un endroit bizarre et on n'est pas sûr de pouvoir le reconnaître en faisant la technique que j'expliquais, de dire bah, j'essaye de reconstruire ma liste chaînée en mémoire. Une autre technique, ça serait d'attaquer d'autres processus, donc du coup s'injecter dedans et ça prendrait beaucoup plus de temps. Le fait de s'injecter dans d'autres processus, c'est du fait que, par exemple, on va se dire « Ah, mais celui-là, il est légitime. » Par exemple, bah, c'est votre notepad.exe. Vous allez vous dire « Mais non, ce processus, il est légitime. » Et quand on regarde la liste des threads et qu'on regarde un peu le code de chacun des threads, bah, y en a un qui est malicieux et c'est là que tout se faisait et on aurait pu passer à côté, quoi. Donc c'est une bonne attaque. Je vais terminer. Donc le live forensic, c'est de plus en plus un must de nos jours. Si vous voulez vraiment... faire du vrai forensics, il faut le faire, c'est un must, enfin c'est obligatoire. Je veux dire, c'est très facile de se cacher sur un disque dur, donc il n'y a pas de souci. J'ai montré que bah, y a des méthodes pour le contrer, donc c'est assez facilement contrable. Mais bon, il y a des méthodes d'anti-contrage, de contrage, donc c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, quoi. À chaque fois, c'est un peu comme les antivirus. Et c'est facile. Il y a certains payloads. Tout à l'heure, je parlais du meta-interpréteur qui sont détectables. Donc, du coup, dès qu'on a un dump mémoire, on peut aller regarder des sections critiques de code, enfin des sections où on sait que ça joue vraiment, parce qu'ils sont tous pareils. Hein. Même si soi-disant ils sont obfusqués, une fois qu'ils sont en mémoire, ils sont plus, enfin pas obfusqués, excusez-moi, cryptés ou chiffrés. Ils vont se déchiffrer en mémoire et du coup, ils y seront et on les reconnaîtra. Donc, ça sert à rien. Enfin, c'est lame. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions. T'as parlé d'outils comme AES Find Key. Ouais. Tu sais comment ça fonctionne précisément? Parce qu'en fait, une clé ES, pour moi, c'est donné plus ou moins random. Non, non, je t'invite à regarder le code, mais... C'est une source, ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Okay, c'est juste un point C en plus, hein, ça fait genre 200-300 lignes, hein, il me semble. Hein. Et ça marche plutôt bien. Pas d'autres questions? Bon bah rendez-vous vendredi, vous aurez du technique. Hein.